d'intervention sur le marché de la mode dans la Caraïbe, surtout la Caraïbe anglophone, en présentant également les défis, quelles sont les menaces, qu'elles soient internes ou externes, quels sont les problèmes actuels auxquels les designers sont confrontés. J'ai présenté également des statistiques, des données. J'ai parlé beaucoup du manque des données dans ce secteur, qui n'est pas un secteur bien structuré. Donc, on manque souvent des chiffres pour pouvoir évaluer l'industrie. Et finalement, j'ai parlé des études qui existent, quels sont les développements récents à travers les nombreux séminaires, les études qui ont été faites dernièrement. Ce que j'ai retenu, c'est que la Caraïbe est effectivement dans la même dynamique, qu'on soit sur les îles françaises ou les îles anglophones, qu'il y a quand même une réelle volonté d'évaluation de la situation au niveau de la mode et de recherche de solutions pour avancer en fait.